Salut à tous, on se retrouve pour ma nouvelle recherche qui se déroulera à la grotte Parsemier. Alors dans cette grotte on peut trouver du géolithe à 50%, du chauve-souris à 30% et du coupe-note à 20%. Franchement les trois me plaisent énormément même si j'ai une petite préférence pour coupe-note. Donc j'espère tomber dessus. Donc on va pas tarder, on va faire la première rencontre de la recherche. Et bien évidemment, un coupe-note tout à fait normal. Voilà, je retrouve quand je serai tombé sur un petit chenu et je vous dis à bientôt. Et me revoilà déjà alors que j'ai commencé la recherche ce matin devant ce magnifique géolithe shiny. Il est vraiment superbe et je m'attendais vraiment pas à ce qu'il tombe. Donc il est tombé après un peu moins de 1000 rencontres. Il faudrait que je regarde exactement le nombre de rencontres après la capture. Mais depuis Gobu, j'étais à près de 14 000 rencontres sans shiny. Donc c'est un mal pour un bien. Alors on va pas tarder pour la capture. Je vais lui faire une cache éclair. Voilà. Et comme j'ai rien pour le faucher, on va lancer les bols directement. Pokéball. Alors je sais pas s'il a d'attaque dangereuse, je me suis même pas renseigné. J'espère que non. On va le bombarder. Yes. Nickel. Magnifique. Pas de surnom. On va vite sauvegarder, puis on va regarder les nombres de rencontres. Parfait. Alors. Je vais prendre un stylet. Alors il est donc tombé après. Donc il faut que je fasse 29, 229. Après exactement 917 rencontres. C'est parfait. On va le mettre en première position. Magnifique joli. Mauvais de nature. Je vais prendre ma première position. Voilà. On va faire une petite rencontre. Un chauve-sourire normal. Je vais te chanier. Ah, bien sûr.
Bon, on va changer de Pokémon. Comme d'habitude, j'en profite pour faire une dédicace à Vincent et on va faire une dernière rencontre avant de se quitter. Un coup de note normal. Et Jolly Chain, merci du visionnage et bonne chance à tous.